année consécutive, Télésoleil Bellevue présente sur la scène du soleil les enfants de 9 à 12 ans. Une fois de plus, ils viennent chanter leurs talents. Alors, tous les soirs, sous le coup de 7 heures, installez-vous et laissez-vous bercer par ces petites voix angéliques qui entreront dans la cour des grands par la grande porte. Soleil d'été, c'est tous les soirs sur Télésoleil à 7 heures. Reprise le lendemain, 10 heures AM et 3 heures PM. Télésoleil Bellevue et vive l'été! Soleil est tellement tôt pédalé, le soleil est tellement tôt pédalé, 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 pédalé. Donc les prestations seront avec ces 12 enfants
Et là, je suis sûre qu'ils sont stressés, pas vrai? Vous n'êtes pas stressé? Donc on va pas danser. On va pas danser. Vous n'êtes pas stressé? Ah, ok. Quand même, on va danser. Vous prenez la pause, dansez avec nous. Better place for you and for me and the entire human race. There are people that are
better living, make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joy, forgiving. If we try, we shall see. In this glass we cannot feel. We are trapped, we stop existing and stop living. Then it feels that always lies enough for us growing. Make a better world, make a better world. Heal the world, make it better place for you. Même que je sais que cette chanson est un petit peu dure,
chaîne. Le yoga, c'est vraiment encourageant. Hein? Tout le monde peut travailler comme tous les juges en administration chaîne. À partir de là, je suis reprochée. J'avais encore mieux. 8,50. Yes. Nous poursuivons avec la prestation de La Faille Claudine. Comment ça va, Claudine? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va bien. Qu'est-ce que tu vas chanter aujourd'hui? Près de toi. Comment? Près de toi. Près de toi. Ah, ok. Claudine va chanter pour nous Près de toi. On l'applaudit. De moi, je savais que tu étais toujours là, près de moi. Ton regard d'amour me suivait, me courait, me guidait chaque jour. Pour accomplir pour ta justice, ta promesse. Tu m'avais saisi ce nom bien avant que je me sois formé. Ton projet constitue mon bonheur, sont écrits là dans mon cœur. Et dans ce monde le plus précieux, que ta promesse en moi. Près de toi, Seigneur, oui, je veux vivre. Près de toi, Seigneur, oui, je veux rester. Près de toi, Seigneur, je retrouve l'espoir. Près de toi, Seigneur, je me sens si bien. Près de toi, Seigneur, oui, je veux vivre. Près de toi, Seigneur, oui, je veux rester. Près de toi, Seigneur, je retrouve l'espoir. Près de toi, Seigneur, je me sens si bien. Près de toi, Seigneur, je me sens si bien. Près de toi, Seigneur, je me sens si bien. Merci. Nous venons d'accueillir Claudia Lafaille dans sa prestation Près de toi. Et maintenant, c'est Près de juge que tu vas avoir, et notre, n'est-ce pas? À vous les juges. Claudine, merci pour ta prestation, mais tu as quelque chose à faire. Par exemple, la circulation des mots et aussi la bonne prononciation des mots. Et puis, tu as une belle voix, mais on dirait que tu la retiens dans ta gorge. À un moment, tu as laissé sortir, mais à un moment, tu as fait rentrer. Donc, tu as géré ta voix aussi. Et puis, un peu, tu n'as pas suivi le rythme. Et puis, la présence et la prestance sur scène, tu as donné. Tu es resté tout froide. L'expression du visage, c'est à travailler. Et puis, les gestes aussi, tu aurais pu faire des gestes pas. Pas juste trop gesticulé, mais quand même, c'est ce soir, je vous aurais pu mettre un peu d'assaisonnement là-dedans. Mais pour t'encourager, je te donne un 6,75. Merci. Merci pour ta prestation. Je pense que
Ode al travay, plus prononciasyon mwoyo, e tou avek pou apren bouje sou sen. Ok? E te manke ekspresyon, men tu an yon bel vwa, la vwa e la. Tu pou travay mwoyo, ok? Pi pou travay plus sou prononciasyon, se importan, pou yo kompran sou ap di ya. E pi apre pou travay ekspresyon ou, ou so ap di ya ou kapap travesse moun avèl. Ok? Je t'encourage a ale travaye avèk 6.75. Merci. Claudine, mwen pense ke voilà, je di Joanne, se jiske touve ke ou kache trop nan bonjou, pou pou avèl eklate voa. Pou ke tout ka plus senti chan. Et puis, j'ai entendu de reconnaître l'articulation, pour mettre de prononciation pour nous. Ça, c'est à travailler. Dans le texte, pour prendre le temps, vous tendez. Et pour bien articuler pour nous. Parce que c'est très important, parce que l'on parle d'articuler pour nous, même juge, nous ne comprenons pas vraiment comprendre tout ça, ce que sa musique est basée. Donc, nous voulons à travailler, bagage ça. Je pense que ça va être mieux que ça, la prochaine fois, pour 6 secondes. La troisième prestation, c'est avec Winvios La Force. Winvios, cette année encore, est là avec nous. Elle était là l'année dernière, donc Winvios, ça va? Ça va très bien, ça va très bien pour toi. Je vais bien. Qu'est-ce que tu vas chanter? Tu vas chanter, on peut faire des miracles avec la foi. Elle va nous chanter, on peut faire des miracles avec la foi. On l'applaudit. Nous avons tant prié, ce soir vous qui nous entendez, dans nos cœurs un chaud d'espoir. Sans oser trop y croire, rien ne nous effraie, donc les tendres peuvent douter. On y place des montagnes, sans savoir qu'on pourrait. On peut faire des miracles avec la foi. Gardons l'espoir, il faut y croire, il faut y croire. La foi peut faire tomber tous les obstacles. La foi peut faire tant de miracles. On en fait quand on croit. En ce temps de divers, quand la prière est souvent vaine, des oiseaux d'espoir d'été, toujours visant voler. Et pourtant je demeure, avec le cœur rempli de joie, j'ai la foi, je n'ai plus peur, du vol vers le bonheur. On peut faire des miracles avec la foi. Gardons l'espoir, il faut y croire, il faut y croire. La foi peut faire tomber tous les obstacles. La foi peut faire tant de miracles, on en fait quand on croit. On peut faire des miracles avec la foi. Gardons l'espoir, il faut y croire, il faut y croire. La foi peut faire tomber tous les obstacles. La foi peut faire
de miracles, on en fait quoi? Pourquoi? Merci. Ça oui, la foi peut faire beaucoup de miracles. Et j'avais foi en Wilfios. C'est ce qu'elle vient de nous chanter. Vos commentaires, les juges? Merci, Wilfios, pour ta prestation. Tu as une belle voix. Et l'expression est là. Sauf qu'il y a des gestes que tu fais trop souvent et parfois qui n'ont pas de sens. Ok? Et quelque chose à corriger avec la voix. Il y a quelque chose qui comme est collé dans ta gorge. Ok? Il faut essayer de travailler ça. C'est pardonnable. Mais je t'encourage. Merci. Merci pour ta prestation. Tu as une jolie voix. Sauf que comme je viens de le dire, à un moment comme si on sentait que quelqu'un était accroché dans la gorge, qui empêchait que certains mots sortent bien. Les gestes ont été un peu monotones, même quand c'est vrai que tu bougeais un peu, mais les gestes étaient monotones et je ne voyais pas vraiment le sens de certains. Bon, pour t'encourager aussi, je te demande de travailler, que tu as une belle voix, donc tu peux travailler et faire beaucoup mieux. Donc je te donne 8-5 ans. Merci. Tu as une belle voix et oui, tu nous as dit que tu es bébé, c'est pardonnable. Moi, je n'ai pas vraiment resté sur la voix parce que les deux autres juges sont déjà jugés sur la voix. Moi, je voulais juste te dire qu'en certains mots, je n'entendais pas vraiment, je ne captais pas. Il y avait un petit problème d'articulation, surtout au niveau des notes basses, notes graves. Je pense que tu peux travailler ça. Moi, je te donne 27. Et la quatrième prestation, c'est avec Fred Henri Louran. On applaudit. Enfin, garçon, ça va, Fred? Ça va, Samantha. Et pour toi? Je vais bien. Tu n'es pas timide? Un petit peu. Un petit peu. Il ne faut pas être timide. Tu vas chanter. Ce sont tes amis. Tu me promets de bien chanter? Qu'est-ce que tu vas chanter? Juanito. Il va chanter pour nous, Juanito. On l'applaudit. Non, non. Non, 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 yeah. Non, non. Ma chante comme un vaisseau. Va le capoter très bientôt. Mon vrai, ça fait attention, mon début. Oh, maintenant, je suis chaud, mais tout. Bagaille s'arrête. Oh, 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 oh. Je suis composé dans le filon. Tout le monde, j'aime tomber dans l'eau. T'as les mains qui ont un fond qui peut le caresser. Oh, ma douche, je pense à bagaille. Mais pas comme ça, moi, dis maman. Pour voir qu'à bon, moi, je pense à la femme, je pense à l'homme. Ah, ah, ah. Les papes, pour casser l'homme. Et là, mettez-moi d'ailleurs. Ma main j'ai perdu temps. Tous amis mieux t'es là. Ouais, yo tout là. Yo tout t'es candidat. Ouais, ni t'en voulais parrain. Tant pis, tant pis, tant pis, bon parrain. Ouais, ni t'en voulais parrain. Tant pis, tant pis, bon parrain. Merci. Marie-Fred Laurent, qui pour sa première prestation, nous a chanté Juanito. Alors, les juges, voici Juanito. Mais non, c'est Fred. Pour le choix musical, comme j'avais dit hier, je réfléchis au choix musical. Si tu ne serais pas vraiment voulant, si tu chantais vraiment Juanito, mais la façon que tu as pris la chanson, tu n'avais pas mis dans le monde de la chanson, tu
tu l'as chanté comme si c'était un poème que tu récites. C'était trop sec. Je crois qu'il faudrait plus de mourir la prochaine fois. Et je pense que pour la voix, je ne sais pas si tu es grippée, mais je sens que c'est un petit peu. Oui, tu es grippée. Tout le monde est grippé. Il faut prendre du jus de citron, il faut prendre du sirop miel pour empêcher ça. Parce que tu es venu dans un concours, il faut vraiment protéger la voix. Donc la prochaine fois, je pense que tu vas mettre plus d'harmonie et tu ne seras pas difficile. Je te donne ça. Merci. Hey. Ah, c'est plaisir de voir Nico. Mais il y a des choses que tu dois changer. Si tu veux, si tu avais un but, c'est pas, par exemple, je crois que tu as plutôt écouté ou bien entendu la chanson à la radio et tu es venu chanter. Je crois que tu n'avais pas pris le temps de regarder ou bien d'apprendre ton texte. Parce qu'il y a des mots que tu as dit qui ne figurent pas sur le texte original de Wanito. Donc tu apprends ton texte, quand tu viens chanter, c'est un concours, donc tu as répondu d'écouter avec le chant ici, bien chanter le chant. Donc tu n'as pas suivi le rythme, tu as regardé le tempo et puis tu étais froid. Et je vois que tu as beaucoup de choses à changer. Je vais pouvoir travailler très fort. Et fais beaucoup plus d'efforts pour la prochaine fois. Tu en insistes. Fred, je pense que tu dois aller travailler la voix. Ok, parce que je pas senti que tu t'as chanté. Les notes ne sortaient pas vraiment. Je n'arrive pas à distinguer les notes. Ensuite, quand tu viens chanter un morceau, quand tu viens interpréter un morceau, il faut t'assurer que tu maîtrises ton texte. C'est important, parce que l'artiste a écrit le texte, il a une manche à suivre, et si ou même vous décidez de changer un bar là-dedans, il est vraiment dérangé, pas passé, la musique n'a pas passé encore. Donc, il faut faire attention avec ça. Et aussi, faut changer, il faut travailler présence sous scène. Son garçon qui a mis plus et on dit ça, plus gaieté, mais plus chaleur, ok. Et en vous au travail. Et j'appelle pour la cinquième prestation Gary Tchebana Lombard. Comment vas-tu, Gary? Très bien, merci à Dieu pour vous. Ça va bien pour moi et pour ça. Qu'est-ce que tu vas chanter aujourd'hui?